Bonjour à tous, c'est une joie d'être là, de pouvoir louer le Seigneur, de pouvoir élever son nom. Je crois qu'on a tous un programme merveilleux à pouvoir vivre dans la présence de Dieu. Dieu nous attend toujours dans sa présence, il ne fait jamais défaut et c'est un privilège de pouvoir vraiment l'adorer. Alors on va confesser son nom c'est le nom qu'on proclame, qu'on confesse sur nos vies, mais aussi sur nos maisons et sur nos nations. Je confesse. Je confesse devant les hommes, devant les anges, Jésus-Christ est mon Seigneur. Devant les hommes, devant les anges, Jésus-Christ est le Seigneur. Proclamons devant tous les peuples, Jésus est mort pour nous, nous sommes achetés. Je confesse. Évidemment, c'est une confession de foi et c'est dans Philippiens 2 qu'on peut lire ce texte. Alors on va voir ce qui est écrit. Verset 5 dans Philippiens 2, comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Pas seulement à l'église, mais déjà dans vos maisons, dans vos familles, faites-le. Verset 6, il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force légale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité. Et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place
et lui a donné le nom qui est supérieur à tout autre nom. Il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ le Seigneur. Jésus-Christ le Seigneur. Jésus-Christ le Seigneur. C'est ce que nous proclamons ensemble sur nos vies et sur les nations. Jésus-Christ est le Seigneur au-delà du gouvernement, au-delà des autorités. Jésus-Christ est Seigneur. Il prend soin de nous. Il prend soin de nos nations, nos gouvernements, nos autorités. Et nous prions tous ensemble pour que Dieu agisse et intervienne. Qu'il inspire nos gouvernements, qu'il inspire les dirigeants, qu'il conduise tous ceux qui ont des décisions importantes à prendre. Et qu'il soit conduit par Dieu, comme Dieu a conduit dans sa parole de nombreux dirigeants et rois. Cyrus, Darius et d'autres, Artaxerxès, il est aussi inspiré tous ces rois, tous ces dirigeants pour accomplir ses plans. Seigneur, aujourd'hui, tu accomplis tes plans sur la terre. Aujourd'hui, tu, comme il est écrit dans le psaume 2, tu inclines le cœur des rois parce qu'ils sont dans ta main, afin que ta volonté s'accomplisse, que tes plans se mettent en place pour ce monde que tu as créé et que toute langue confesse et dise que Jésus-Christ est Seigneur. Alors nous, dès maintenant, nous le disons, nous le proclamons, nous le chantons, nous le prions, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Merci Jésus, merci Seigneur. Ouvre le ciel, Seigneur. Ouvre le ciel, Seigneur. Ouvre les cieux. Que nos yeux voient ce qui se passe dans ta présence. Et que nous soyons inspirés par ton esprit dans tout ce que nous faisons. Viens et montre à la terre ce qui se passe dans les cieux. Révèle à tes serviteurs, à tes prophètes, à tes chantres, à tes musiciens, à tes pasteurs, à tes apôtres, ce que tu fais. Seigneur, tes promesses demeurent à jamais. Tu relèves ton peuple à genoux devant toi. Tu détournes ta colère du pays qui s'humilie et renonce à marcher dans ses propres voies. Ouvre le ciel, que ta gloire brille sur notre nation. Chasser notre ennemi de la contrée. Ouvre le ciel, que ta gloire brille sur notre nation. Ouvre le ciel et que ton ciel
et que ton royaume vienne maintenant. Ta miséricorde, ta miséricorde nous sauve du jugement. Viens nous délivrer de notre aveuglement. Tu écoutes nos prières prononcées dans l'unité pour chasser notre ennemi de la contrée. Merci parce que tu as l'œuvre.
des armées dans les cieux sont à l'œuvre. Merci pour les anges qui agissent en ce moment sur la terre, qui envoient une purification, qui purifient ton peuple, qui purifient tes enfants, qui viennent sanctifier l'Église. Seigneur, envoie ton esprit parmi nous. Enlève toutes nos résistances afin qu'on soit vraiment le peuple que tu veux que nous soyons, Seigneur. Esprit de Dieu, nous avons tant besoin que tu souffles et nous crions et nous prions et nous intercédons pour l'Esprit de Dieu. Afin que tous les hommes puissent accueillir cet Esprit, puissent être remplis de cet Esprit. Merci parce que tu habites en nous. Parce que tu nous remplis. Renouvelle maintenant mes frères et sœurs dans leur intercession, dans leur louange, dans leur foi. Renouvelle, visite, transforme, touche-les maintenant là où ils sont. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être, oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Sur nous.
ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre. Soit faite sur la terre qu'elle mène au ciel. Et au ciel, tous ceux qui sont dans ta présence t'adorent, se prosternent devant toi. Ils disent qui tu es. Ils reconnaissent que tu es saint, que tu es Dieu saint. Tu es Dieu trois fois saint. Alors, Seigneur, que sur terre, les hommes aussi reconnaissent que tu es le Seigneur, que tu es le Dieu saint et que tu mérites la louange de tous ceux qui veulent te rencontrer, qui veulent te suivre. Seigneur, souffle par ton esprit, souffle sur la terre, souffle parmi les nations. Qu'un esprit de repentance nous touche, nous impacte et que l'Église mette à genoux devant toi. Esprit de Dieu. Cet esprit qui vient des cieux, cet esprit saint, vous inonde.